encore une fois, quel plaisir de vous retrouver, mes amis, dans notre émission Notre Algérie, en direct de Canal Algérie. Quel plaisir de vous accueillir chez nous, hein, au 21 boulevard des Martyrs, à Canal Algérie, dans ce bel espace où on va certainement prendre un bon café avec notre première invitée de cet après-midi. Il s'agit de... C'est toujours un bonheur. Un plaisir de se recevoir, Monsieur Abdelkader Ben Dahmech, qui est directeur de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, mais pas que, hein. Un homme de culture, un passionné de la musique algérienne dans toute sa diversité, une véritable encyclopédie. On est heureux de le recevoir aujourd'hui parce que nous savons qu'il est aussi très très pris par son travail et il est là. C'est Abdelkader, merci d'être là. Merci bien, puis je vous remercie pour cette invitation qui me fait beaucoup de plaisir. Eh bien écoutez, nous aussi on est heureux de vous recevoir comme à chaque fois. Et quand on entend votre voix, c'est mélodieuse, on sait qu'on va certainement apprendre de très belles choses. Que ça vous rappelle Maya Hassine de la radio. Ça me rappelle bien entendu Maya Hassine de la radio Chaîne 3 qui a bercé la jeunesse et l'enfance d'un bon nombre d'entre vous. Et puis c'est surtout l'histoire de la musique algérienne, absolument, de la musique andalouse surtout. Hein. En particulier, mais avec toute la palette de la musique algérienne dans son acception la plus large. Oui. Alors, M. Abdelkader Ben Dahmech, aujourd'hui vous êtes donc directeur de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Vous venez aujourd'hui nous présenter un livre, un livre en hommage à Amar Zahi, Allah yarhamou. Amar Zahi, qui est bien sûr l'un des maîtres de la chanson Chaabi, la chanson algéroise par excellence. Algérienne. Et algérienne, bien entendu. Vous êtes venu avec ce formidable livre que l'on propose aujourd'hui à nos amis qui nous suivent dans les quatre coins du monde. On salue tous ceux qui suivent cette émission et qui suivent Canal Algérie. Cet après-midi, on va passer certainement un très beau moment avec tous nos invités aujourd'hui. Voilà, Amar Zahi. Alors, c'est écrit donc de l'éclat juvénile de la chanson Chaabi. Amar Zahi ou l'éclat juvénile de la chanson Chaabi. C'est les éditions, c'est chez Enad. Édition qui a été Enag. Donc, Abdelkader Ben Dahmech, c'est un travail en arabe. Et en français. En français. En arabe, c'est toute la partie, tout le corpus poétique, il est en arabe. Ah, très bien. Mais ça, il faut la langue originale. Absolument. Donc, en arabe. Oui. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie de faire un c'était, travail C'était le jour de l'enterrement. C'était un jour mémorable. Oui, oui. Un jour, les Algérois, à l'époque, ont vécu cet événement d'une façon exceptionnelle. On n'a jamais vu tel engouement public, tel, tous les fans sont venus de tous les coins de l'Algérie à l'époque. Mm-hmm. Et je les ai vus, j'ai vécu avec eux tout ça. Et c'était à ce moment-là. C'était pendant toute la journée, j'ai réfléchi qu'à ça. D'abord, j'ai participé un peu à son hommage ou à tous les médias qui voulaient savoir qui était Amar Zahi. Ben, on l'a dit à l'époque d'une façon modeste, comme lui-même a été modeste pendant toute sa vie. Et moi, je l'ai connu quand il était star de la chanson Chaabi, voilà, comme tous les autres, comme Boujmal Anqiz, Grouabi. Il faut dire aussi que M. Abdelkader Ben Dahmech, vous êtes aussi chanteur, musicien de Chaabi, de musique andalouse aussi. Musique Chaabi aussi, et andalouse également. Andalouse aussi, à Haouzi, voilà. Et on vous a vu souvent dans des concerts de musique. Vous êtes donc de Mostaganem, la ville de la musique. L'histoire et des arts d'une façon générale, oui, absolument. Voilà. Ouais. Et puis, on sait aussi que vous avez toujours été passionné par Alger. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est la capitale. On a beau être en province, il n'y a que la capitale. La capitale, c'est la capitale. Alors, peu de personnes le savent, mais Abdelkader Ben Dahmech, vous êtes aussi énarque. Oui. Vous avez fait connaissance l'ENA, ce qu'on a